Coucou les petites soukis, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Là je suis au McDrive, je suis venue juste chercher une petite glace. En ce moment, toute la semaine si vous avez remarqué, j'ai cette coiffure là en fait. Tout simplement parce qu'ils sont sous soin. En fait j'ai fait un shampoing clarifiant. Un shampoing clarifiant, qu'est-ce que c'est? C'est un shampoing qui va vous débarrasser de tout ce qu'il y a sur votre cheveu. Donc que ce soit silicone ou que ce soit excès d'impureté, peu importe. En fait, il vous laisse votre cheveu vierge. Et j'ai fait un shampoing clarifiant naturel. Donc je l'ai préparé à la maison. Il vous suffit juste de prendre un shampoing anti-pelliculaire. Par exemple, ça peut être le Head & Shoulders là ou peu importe. Et vous rajoutez dedans du bicarbonate de soude qui est un très bon clarifiant, le bicarbonate de soude. Et ensuite, après, vous rincez tous vos cheveux à l'eau. Et ensuite, pardon. Et ensuite, vous... Attendez, il faut que je paye. Bonjour. Juste après, en fait, après avoir rincé le shampoing clarifiant avec de l'eau, donc du robinet, quoi, et enfin, de la douche, quoi, normal, et ben après ça, vous versez du vinaigre de cidre, qui est aussi un très bon clarifiant. Donc voilà, et moi de toute façon régulièrement je me rince les cheveux avec du vinaigre de cidre justement pour éviter que le silicone s'accumule parce que ben, je suis revenue au silicone et vu que j'utilise un peu des produits Olaplex sur mes longueurs uniquement, donc pas mon cuir chevelu, vu que je suis un peu revenue au silicone pour un peu conditionner mes cheveux, et ben de temps en temps je fais ça des shampoings clarifiants histoire que le silicone ne s'accumule pas trop non plus. Et du coup le but de shampoing clarifiant c'est que le cheveu soit vierge, et maintenant qu'il est vierge et ben je le bourre de soins qui permettent aux huiles de dégorger. Donc par exemple j'ai mis de l'huile de coco, je vais aussi mettre du lait de coco. Par contre le lait de coco ne laissez pas poser sur vos cheveux parce que à force il va vous dessécher, c'est très protéiné, c'est même pas bon de faire souvent des laits de coco, vraiment c'est pas des cures qu'il faut faire régulièrement. Je vais faire ça, je suis pas obligée de faire la queue quand même. Attends, je vais reculer. Parce que moi elle m'a servi avant eux, donc je pars. Pas besoin de faire la queue. Je pars. Qu'est-ce qu'on disait? Ça fait du bien de faire des shampoings détoxifiants comme ça pour que le soin pénètre vraiment en profondeur. Et là je vois déjà mes cheveux qui commencent à être plus clairs, donc la colo noire elle est bien partie. Le problème c'est que juste en dessous ça va être vert, c'est pas grave, on verra. Là je veux juste me débarrasser un peu du noir que j'ai fait, je vais me garer là. Oh, trop compliqué, je vais trouver un endroit où me garer pour pouvoir manger ma petite glace. Là-bas il y a deux places donc je vais pas avoir de mal à me garer. Je crois que je vais faire un live. Attendez. Mon ventre. Non mais les filles là je suis en train de reprendre mon poids, mais puissance incroyable. D'une puissance incroyable. Là je le sens, je le sais, je le sens. Et je fais un live ou pas? C'est parti les filles, je lance le live et ensuite je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Je suis en train de chercher mes fossiles. Je sais pas où est-ce que je les ai mis. Il y a toujours Bimo qui ronfle dans mon peignoir.
Et tous les matins, c'est comme ça, je me prépare et ensuite je vous fais une vidéo. Je poste ou que je mets du temps à poster ou pas. Ça dépend de si je fais le montage vite ou pas. Là aujourd'hui, je suis un peu malade, c'est pour ça qu'on entend ma voix. Et je trouve pas mes fossiles. Et j'ai pas envie de me lever parce que Bimo, il est bien. Toujours Bimo, il a la même routine de vie. Toujours. Ça lui convient très bien. C'est bien, monsieur. Monsieur et madame, les deux. Bimo et monsieur et madame. Bon, je trouve pas mes fossiles. Ils ont dû tomber par terre. J'ai vraiment pas envie de sortir mes mots de là parce qu'il est bien. Mais il faut que je cherche mes fossiles. Non, elle est vraiment bien, je vais la laisser. Bon, je trouve pas mes fossiles. Bon, les filles, je vous reprends. J'ai eu le temps de regarder un peu ma série. Et Bimo, il s'est toujours pas levé. Donc là, je suis obligée de le lever, Bimo. Pardon. Pardonne-moi, Bimo. Je suis prête à tout pour toi, mon Bimo. Je dois un peu me maquiller. Je dois un peu me maquiller. Je suis prête à tout pour toi, Bimo. S'il y a des gens qui le dérangent, Bimo. Ou si Bimo il a des tracas ou des soucis. Je suis là pour ça, Bimo. Toujours je dis à Dieu. Dieu, s'il te plaît, protège Bimo. Protège Bimo de tout. Fais qu'il vive 70 ans. C'est possible, Bimo. Avec Dieu, tout est possible. Jamais douté, jamais douté, jamais douté. Oui, regardez, il a mis sa main sur mon. Ah non, tu me fais craquer, Bimo. Tu me fais craquer. J'aime toutes les personnalités de Bimo. J'aime Bimo méchant, j'aime Bimo gentil, j'aime Bimo attentionné, j'aime Bimo qui le griffe, j'aime Bimo qui le mord, j'aime Bimo qui le fait du câlin, j'aime Bimo agressive, j'aime Bimo suspicieuse, j'aime Bimo câlineuse. Regardez qui est revenu. Regardez qui est revenu, je ne veux pas me laisser mettre mes fossiles, Bimo. Bimo. Mon petit Bimo, qu'est-ce que je t'aime, Bimo? Toute ma vie, je vis mes Bimo. Toute ma vie, je vis mes Bimo. Tout... Ah, mon petit Bimo. Non, on montre pas les fesses. C'est un peu pudique, Bimo. Et là, il y a tout mon bazar, parce que je suis en train de me maquiller. Tout mon petit bazar. Voilà, Bimo, on n'a rien à raconter. Il a dit, fait qu'il dise oui, Sukeina, fais-nous 10 journées dans ta vie. Les journées dans la vie de Bimo. Et de sa mère biologique, moi. Sautri, on fait rien, Bimo, on fait rien, on fait rien. Mais même si je fais rien, les filles, ben, au moins je suis avec mes chats et je suis heureuse d'être avec eux. On n'a pas besoin de faire grand chose tant qu'on est tous ensemble. On n'a pas besoin de faire grand chose. Oui, voilà, Bimo. Il a confirmé ce que j'ai dit. C'est bien, Bimo. Pas besoin de plus. Oui, Bimo, je sais que tu me comprends. Je sais qu'elle comprend ce que je dis. Super, Bimo. Super petite position. Génial. Génial, Bimo. Très génial. Enfin, d'habitude je fais pas la vaisselle, mais là j'ai décidé d'un peu décharger ma mère, et surtout que en fait je la fais pas parce que ma mère c'est une maniaque, elle aime bien refaire les choses après moi. Donc même si je nettoie correctement la vaisselle, elle va vouloir repasser derrière moi. Mais là je vais quand même faire histoire
À force de la faire, je pense que la petite dame, elle va me laisser tranquille, elle va me laisser la faire. En plus, vous savez, ça casse pas trois pattes à un canard de faire glisser l'eau. Il suffit juste de passer l'éponge dans les différents recoins du récipient et c'est tout, quoi. Ça va super vite. Donc, il l'a fait. Et en plus, ça m'occupe ici, j'ai rien à faire de toute façon. Donc, autant décharger ma mère à ce niveau-là. C'est vrai que d'habitude, je prends pas le temps de le faire, mais là, j'ai envie d'inclure ça. J'ai envie d'inclure ça dans ma routine. Parce que c'est vite fait et ça la décharge de quelque chose. Donc. Les copines, regardez ce que j'ai découvert sur l'ordinateur. Je ne savais pas. Hein. Ça fait une semaine que je l'utilise, je ne savais pas. Il est tactile. C'est trop bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui... Je regarde un mukbang. Franchement, c'est trop bien. Coucou les petites Tsuki, bienvenue dans une nouvelle journée. Et je me suis fait cette coiffure les filles parce qu'en fait, c'est parce que mes cheveux ils sont comme je vous ai dit, il y a un soin. Enfin bref les filles, aujourd'hui là déjà on va les manger parce que j'ai extrêmement faim. Et ensuite on va aller faire les courses pour les chats comme d'habitude. Vous savez, il y a une voisine dans ma tour. Elle m'a dit ah Soukaina, je savais même pas qu'elle connaissait mon prénom. Et après j'ai dit ah. Après elle m'a dit tu sais je regarde tes vidéos YouTube et tout. J'ai dit ah bon. Elle m'a dit oui, à chaque fois j'attends de te croiser pour te le dire. Et elle m'a dit tu sais moi aussi je suis une grande fan de karité. Et je t'ai préparé un karité en gros de chez elle, de son pays, c'est elle qui l'a préparé. Je vais vous le montrer. Du coup maintenant je mets que ça, en fait c'est le couvercle Aromazone, mais à l'intérieur c'est elle qui a préparé son... Non, ça c'est le mien, ça c'est le beurre de karité que moi j'utilise. Voilà, et elle m'a donné celui-ci. En fait c'est le couvercle Aromazone, c'est un couvercle d'avocat, mais à l'intérieur il y a du beurre de karité que elle a fait. Trop. Et il glisse, on sent vraiment que c'est pas le même beurre de... Pourtant, tous mes autres beurre de karité, par exemple... Je sais pas, j'en ai plein. Par exemple, lui, bah, ne serait-ce que lui, bah, il est bio, vous voyez. Mais je sens que celui qu'elle m'a donné, il est plus... On sent que c'est le vrai naturel, vous voyez. Même si bio, moi j'aime beaucoup acheter des choses bio parce que je sais que c'est vraiment naturel. Mais ça, pour le coup, on sent, je sais pas, je le sens. Et du coup, j'en mets partout, j'en mets sur le beurre de karité. Moi, j'aime trop, j'en mets sur mon corps, sur mes cheveux, sur mes lèvres. Mais voilà, je voulais juste faire un petit coucou. Trop mignonne, c'est une femme de mon immeuble, je savais même pas qu'elle regardait mes vidéos, elle est trop chou. Bah si tu passes par là, plein de bisous. Je suis gênante ou pas là? Bref les filles, là aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va aller, déjà je vais démarrer la voiture. Regardez la petite dame, elle m'a pris plein de petites lingettes comme ça que je peux laisser dans la voiture et je vais les nettoyer un peu parce que j'ai plein de poils. En fait les filles, d'habitude quand je mets un vêtement, j'ai pas des poils de chat. C'est juste parce que avant de partir, je prends mes chats dans mes bras. Et c'est quand je fais ça que j'ai des poils. Mais là je vais essayer de me nettoyer avec les petites lingettes. Et voilà les petites Tsuki. Du coup je vous reprends au resto directement. Je vais essayer de retrouver un petit fast food là pour manger avec la petite dame parce que j'ai super faim. Et voilà. J'ai laissé ma mère faire les courses. Je vais retirer mon contour de lèvres parce que en vrai il est beau, hein. Je le vois là, il est beau, mais à la caméra il est pas beau. Et je sais que vous allez me dire Soukaina enlève et tout, c'est moche, mais en vrai je vous promets que c'est pas comme ça. Bref, je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté chez Action. Ah, je crois que je suis mal garée. Non, pourquoi me klaxonne? Alors, ah oui, avant de vous montrer ce qu'on a pris chez Action. Mais c'est moi ou pas qu'on klaxonne? Grave mal garé, non, c'est bien ce que la petite dame elle a acheté parce qu'on va adopter un poisson à la maison. J'espère que mes 6 chats ils vont pas se tuer, sinon ça vraiment. Non, c'est pas le but là, c'est pas le but. Là, le but c'est vraiment qu'il y ait un nouveau recrue dans la famille. Et on a décidé que ça allait être un poisson. Franchement, les filles, si on avait un appartement plus grand, on aurait pris un lapin ou quelque chose. Mais trop petit à la maison, trop petit chez nous. 6 chats, c'est déjà beaucoup pour la surface qu'on a. Donc, on a décidé de prendre juste un poisson. On va aller l'acheter tout à l'heure avec vous. Sinon, Action, j'ai pris ce cahier. Regardez comment il est trop beau. Hello, il y a écrit Hello en rose. Mon rose préféré, c'est ce rose-là, il est trop beau. Et l'intérieur, il est comme ça pour ceux qui veulent aller l'acheter. Il coûte 1€, il est trop bien. Enfin, il est trop bien. Calme-toi, Soukaina. Mais il est trop beau, je veux dire, il est trop beau. Et dedans, je vais écrire mes deux principaux projets. Oh non, j'ai déjà mis de la poudre. Enfin, mes deux principaux projets de cette année, à savoir le refuge.
au Maroc, à Marrakech, et mon master. Voilà, ça va servir pour ces deux choses-là. Dès que je vais rentrer, là, je vais commencer. Et là, par contre, c'est tellement sérieux que je ne vais même pas vous en parler avec autant de hargne et tout comme tout, parce que rien n'aboutit. Et là, si je vous en parle comme ça, vous allez dire, ah, mais ça va être comme tout, rien ne va aboutir. Mais là, non, Inch'Allah, ces deux projets, ils vont être extrêmement différents. Un, le premier, parce que le refuge, eh ben, c'est un khair que je fais, c'est quelque chose de bien. Donc, Dieu va me faciliter sur ça. Et deux, le master, parce que c'est un bien pour moi, parce que là j'en ai vraiment besoin dans ma vie, donc ça va bien se passer. Là j'y crois vraiment, ça va bien se passer, Inch'Allah. Bref, et ensuite j'ai pris ça, vous savez, c'est les foulards là, en serviette pour la douche. Action, on a pris les petits sticks là des chats, ça c'est des sticks qu'on achète quotidiennement, tous les 2-3 jours. Et ils aiment trop ces sticks là. Faites-les tester à vos chats, ils vont grave aimer. Et à Action, ils sont moins chers. C'est ceux-là au poisson. Je pense que si vous testez ça à vos chats, ils vont grave kiffer. Ma mère, elle a pris son après-shampoing, c'est celui-ci à Action. Moi, je mets pas ce genre d'après-shampoing, mais elle aime bien. Donc, testez si vous voulez. Et je mets pas ce genre d'après-shampoing. Je me prends pour qui là? Attends. Ça c'est des petites trucs que ma mère elle a acheté pour sa petite soeur avec des baskets tout, bref. D'ailleurs ici sa petite soeur, je lui ai envoyé mon iPhone, vous vous rappelez, elle l'a toujours pas reçu alors que ça fait 3 mois. Je suis maudite des colis. J'ai envoyé le colis à mon abonné, hein, elle l'a pas reçu encore alors que c'est pas normal, elle devrait le recevoir. Je suis une maudite des colis. Je sais pas pourquoi tout ce que j'envoie ne s'envoie pas. Je sais pas pourquoi. Il est bloqué à la douane, son iPhone. Ça fait 3 mois, il est bloqué à la douane. À chaque fois que je vais à la poste et que je regarde le suivi, il y a écrit douane, bloqué à la douane. Pourquoi? C'est juste un iPhone. Pourquoi il est bloqué? Bref. J'ai pris de la vaseline, un petit parfum comme ça, Action. Et j'ai pris des chouchous comme ça. Il y a des chouchous roses. Voilà. Et ça, c'est le truc de l'aquarium. J'ai trop hâte. Je sais pas quel genre de poisson on va prendre. On n'a pas pris un gros aquarium. Hein, donc, je pense que ça va être un mini poisson rouge. Et là, il est extrêmement petit, cet aquarium. Hein. Je sais pas pourquoi ma mère a acheté cet aquarium-là. Il est trop petit. Donc, je pense que ça va être un mini poisson rouge. J'ai même pas fait attention à ce qu'elle a ramené. Parce que moi, j'ai juste vu ça. J'ai cru que ça allait être plus grand. Je comprends même pas en fait. Je sais pas où est-ce qu'elle a acheté ça, mais c'est trop petit, non? Il faut que ça soit un bébé poisson. Vous savez, les bébés. Et même, c'est pas assez. Non, non, non. On va l'acheter un autre parce que là, c'est pas assez. Bon, on va voir. Je vais parler avec le monsieur parce que moi, je m'y connais pas trop, les filles en poisson. On va voir. On va parler avec le monsieur. Qu'est-ce qui conviendrait à un mini poisson rouge? Moi, je veux vraiment pas que ça soit un grand poisson. Je veux que ça soit un tout petit poisson parce que j'ai l'impression que s'il est gros, les chats vont essayer de l'attraper. C'est mort. Donc, je veux que ça soit un tout petit poisson. Et en même temps, comme la maison elle est toute petite, on peut pas prendre un énorme aquarium, donc il faut que ce soit un aquarium adapté. Bref, voilà, je suis trop contente là, mon meilleur achat de la journée. Il est grave beau, les filles. Hello, en rose. Et ça va être le carnet de mes deux gros projets de cette année. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Quand il y a des doigts, quand il y a des invocations, ça se passe bien. Regardez, mon permis, j'avais pas réussi à l'avoir 4 ans que j'étais. J'ai fait plus de 200 heures, les filles, de conduite. Je sais même pas s'il y a des parcours similaires aux miens. Je vous ai fait plein de vidéos à propos de ce sujet. Plus de 200 heures. J'ai même plus compté. Hein. À partir du moment où j'ai franchi la barre des 200 heures, j'ai plus compté. Je suis allée à 260 heures, 270 heures, je sais même plus. J'ai dépensé plus de. Bah, pareil, au bout de 7000 euros, j'ai arrêté de compter. Hein. 4 ans, je me suis inscrite à mes 19 ans. Fin 19 ans ou comme ça, et je l'ai eu à mes fins, je sais plus, de toute façon vous avez tout suivi avec moi, je sais plus les fiches. Il y a une fille qui m'a laissé ce commentaire là, elle m'a dit: Soukena, j'ai remarqué que t'étais pas dyslexique, pas un truc dyspho-temporel, voilà, parce que j'ai du mal à situer les choses, mais en tout cas vous avez tout suivi avec moi et vous avez bien vu à quel point c'était la galère. À chaque fois j'arrêtais pas de le dire, j'ai pas avoir mon permis, j'ai pas avoir mon permis. Je n'ai jamais réussi à l'avoir malgré toutes mes heures de conduite. Le jour où j'y suis allée,
les jours où j'ai passé mon examen. J'ai tellement fait des dua la veille, des prières et des prières, et le lendemain matin, et des prières sans jamais m'arrêter. C'est-à-dire que ma bouche, elle faisait tellement de prières qu'elle ne s'est pas arrêtée jusqu'au moment de le passer. Même pendant que je conduisais, je continuais. Vous savez, quand vous invoquez sincèrement Dieu du plus profond de votre cœur, si la chose, ça va être un bien pour vous, il vous l'accordera. Et je vois pas en quoi faire un refuge pour animaux, les sauver, récupérer les chats, les soigner. Ils sont dans un état, les chats du Marrakech, ils sont dans un état incroyable. Vous pouvez même pas vous imaginer. Je vois pas pourquoi ce sera un mal. Donc, Inch'Allah, Dieu va me faciliter si je me mets sérieusement. Et là, j'ai déjà commencé à regarder un peu des fermes, des terres, etc. D'ailleurs, je pense aussi que je... Bref, on verra les filles. En tout cas, là, ça va être mon petit programme de ce soir. Vous savez, le futur ordinateur que j'ai acheté, il est tactile en plus. T'as acheté quoi? Je sais que ma tête est cassée. Un chauffeur? Jazz. Un chauffeur qui est? Elle? Bah, je n'aurai rien. C'est mes copines, il faut qu'elles voient les tenders que je mange pour prendre les mêmes. Parce que c'est les meilleurs tenders du monde. Merci. Ah, mais c'est pas les mêmes que d'habitude. Si. Ah si, c'est ceux-là. Bah voilà les filles, mes wings préférés. J'en ai plein, à chaque fois je vous les présente différents. Mais celui-là, trop bon. Ferme de Spahi, argenté. Oui, oui, je pars. D'accord, je pars. Elle est méchante. Ah, j'ai droite, j'ai droite. Bah elle aurait pu me sourire. Je comprends pas Nes qui parle sans sourire. C'est la base de parler de sourire. Voilà, là, il faut faire l'emploi de lui, ma chère pilote. Oui, mais bon. Un petit sourire, ça n'a jamais tué personne ou quoi? I don't care. Siri. Ben, je l'ai laissé. Il y a pas de sourire. C'est I don't tiens, care. Merci. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe, Siri, il y a une camion. Il y a ce rage, on a fait le hems. Mais il fait chaud. Mais il fait froid. Il fait froid. Elle fait, tiens. Non, merci. Les filles, je voulais vous dire, on a mangé dans un restaurant, on a goûté Tieb pour la première fois. Tieb, achemine le pays. Africain. Oui, mais quel pays exactement? On a dit sûr. Pardon. Pardon, pas la peine de me klaxonner, monsieur. Je sais pas c'est quel pays exactement, mais c'était grave. Bon, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on goûte, franchement trop bon. Je vous mettrai l'adresse du resto si vous voulez juste là. C'est pas du tout un partenariat, hein. J'ai payé moi-même, mais ils étaient vraiment gentils, c'était bonne ambiance. C'était bien, t'as aimé? Ouais. Franchement, c'était bon, c'est grave. Ils ont un piment, les filles. Et vous savez, moi, je suis extrêmement. Attends, c'était elle, tu es le top nadal. Vous savez, les filles, moi, j'ai toujours cru que j'étais une imbattable du piment parce que moi, je mange le piment à gogo, du piment que les gens ils font. Ah, ça, c'est trop fort et tout. Moi, je le mange tellement j'aime. Mais par contre là j'ai goûté leur piment et vraiment c'est quelque chose, vraiment même moi j'ai vraiment eu du mal, je l'ai vu orange donc je pensais que c'était un peu comme, enfin pour moi du piment orange c'est pas hyper piquant et du coup j'ai pris une potato, j'ai mis plein dedans à l'intérieur, j'ai mangé, j'ai cru que j'allais die. Ils vous le mettent sur le côté, demandez bien avoir du piment sur le côté parce qu'il est trop bon, même s'il est fort il est grave bon. Bah oui. Là, c'est un des meilleurs projets, non? Mais il faudra qu'on trouve un vétérinaire qui peut. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comme une collaboration, Zalma, pour qu'il te fasse des prix attractifs. Mais elle marche, c'est pas important tout ça.
j'aimerais brancher Gilles à ton ombril et faire une révision complète et générale. Parce que oui, les filles, cette année, on va aller au Maroc en voiture. Ouais. Là, mais t'as le sève. Oui, en été. La barature. Oui, avant, on va aller au Maroc pour le projet, comme je vous ai dit, si ça aboutit bien et qu'on a les fonds nécessaires. Mais cet été, on va aller au Maroc en voiture. T'as hâte? En voiture, ça va être bien, non? Regardez les filles, on est en train de choisir un poisson. Moi, j'en veux un comme ça, minuscule. Oh, pardon, Bibi. Pardon, mes Bibi. Déjà, t'as peur de moi, déjà. On s'est même pas encore connu bien. T'as peur de moi, déjà. Je veux pas un gros comme ça, orange. Je veux comme ça. Comme ça, il vit sa meilleure vie dans le pied aquarium. Ou même comme ça, regardez, tout minuscule. Vous vous rendez pas compte de la taille, mais ils sont vraiment minuscules. Ouais, c'est ce que je. Regardez les filles. Ma mère, elle a dit, c'est ça qu'on mettra dans le refuge. On mettra plein de planches comme ça. Mais pas, on va pas les acheter ici, hein. Ça se fabrique facilement, on va prendre des fabricants au Maroc et on va mettre ça, mais en plus grand qu'on pourra mettre partout avec des petites cases comme ça et tout, ça va être trop bien vraiment. Oh non, Minois, non, là ça me fait trop de la peine par contre que les lapins ils sont enfermés comme ça, non. Oui Minois, je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé que ça c'était dégueulasse, toujours je disais aux gens, je dis, regarde mon monsieur, il a une crête, il est super beau, il est très mignon, il aime bien se gratter le cou et le cul, les deux. Minois. Tu veux ta liberté, mon amour. Drôle de monde de vous enfermer dans une cage. Drôle de monde, oui. Oui, drôle de monde. Drôle de monde, oui. Je vais tout casser. Je vais tout casser, je vais te laisser vivre. Mimo, c'est des nouveaux amis. Tout fait tard. C'est des nouveaux amis, Mimo. Regardez, les filles sont là. Oh, et je suis trop heureuse, là. Bimou, Colombo, c'est des nouveaux amis, ils sont tous mes amis. Regardez, ils ont l'air bien. Ils ont l'air heureux là dans ce petit bocal. Il faut savoir le fait que je les ai pris d'un minuscule bocal. Hein. Il était tout petit, donc là je suis contente parce qu'ils ont un bocal plus grand. Moi qui pensais que ce bocal était petit. Ah, ils sont heureux. Ils sont heureux, chouchou. Monsieur chouchou, écoute-moi. C'est des nouveaux amis, c'est comme des amis. Oui, c'est une nouvelle famille pour nous. Ils sont trop mignons. Il faut trouver des noms là. Putain, c'est comme des amis. Oui. Bimou, c'est de nouveaux amis. Ils savent qu'il y a des nouveaux êtres. C'est des nouveaux êtres dans la maison. Des nouveaux êtres. Vous voyez. C'est pas des êtres humains. C'est presque pareil. Ils ont un petit cerveau aussi. Ils ont des poumons. Oui, tout à fait, c'est comme des petits êtres humains. Bienvenue à la maison, les amis. Vous êtes heureux ou pas? Je vais tout faire pour que vous soyez heureux. Et des fois, le samedi, on remplira de la baignoire pour leur faire une piscine géante. Comme ça, ils se baigneront dedans. Des fois, on mouffe le bain. Des fois, de temps en temps. Ouais. On fera ça de temps en temps, on leur remplira la baignoire. Et comme ça, ça va être trop bien. Ça va être comme l'océan. Vous allez retrouver comme l'océan. C'est comme si vous retrouviez l'océan. Quoi? Vous voulez déjà vous en aller dans l'océan? Non? Oui, il est là. Ils sont heureux ou pas? Ils sont heureux normalement là. C'est mignon, le bocal il est mignon. Mais tu fais assez comme des amis. Tu laisses tranquille. Hein. On a acheté ça pour pas que. Vous voyez? Pour pas qu'ils rentrent leurs mains, qu'ils essaient de les tuer ou quoi. Mais on vous laisse tranquille. Hein. Ils sont des amis, ils sont tous très gentils. Ils s'appellent bientôt, on va trouver des prénoms. Ils sont tous très gentils, vous laissez tranquille. Hein. On te laisse tranquille. Arrête de faire peur, monsieur Chouchou. Arrête de faire peur à eux. Ils sont beaux. Ou alors, qu'est-ce que tu l'as un autre vocal? Voilà, c'est vrai, Reda. Et Tufita, elle veut vraiment les grailles, là. Elle veut vraiment les manger. Attends, Tufita, hein. Ils font partie de la famille. C'est pas les poissons panés. C'est pas du tout des poissons panés, Tufita, que je donne 10 fois à Tufita. Sinon, ils sont très uniques. C'est une prise unique. Et elle veut déjà les grailler. Elle essaie de faire ça et tout. Attention, monsieur Tufita. Monsieur, oui, monsieur. Monsieur Tufita. Ils ne sont pas des poissons panés. Ils ne sont pas des sardines. Que Tufita, parfois, ils croquent. Ceux-là, ils sont tous très gentils. Ils sont tous très gentils. Vite, échappez-vous, Tufita arrive. Tu lises tranquille. Elle vient de donner un coup de patte. Heureusement que c'est bien. Tu sais, tu vis, hein. Si tu tues,
Je lui crie dessus. Il est carrément carnivore ou quoi? Il est carrément carnivore. Qu'est-ce que c'est, tout ça? Il est une chasseuse de lames. Elle est pas contente. Il est tranquille, il met les trois musticrules. Ils sont tous des musticrules très gentils. Félix tranquille. Félix tranquille. Félix là. Ils sont pas des poissons à manger. Ils sont pas des poissons à manger. Ils sont des poissons à aimer. Ils chérir toute sa vie. Mais Félix tranquille, Félix tranquille. Retenez-la, elle est très agressive. Elle veut pas les laisser tranquille. C'est la seule là. Tout le monde s'est lassé d'eux sauf Tofita. Putain, j'ai déjà dit. Ils sont nos amis. Coucou les petites Soki, bienvenue dans une nouvelle journée. J'ai pas eu le temps de me maquiller, j'ai juste commencé un tout petit peu à mettre de l'anti-cerne autour de mes sourcils. Je vais mettre du blush et bien sûr j'ai le temps de faire mon contouring du nez. Attends, mais du coup je vais juste mettre du blush parce que j'ai pas le temps de faire autre chose. En fait là je suis très contente parce que avec la petite dame on va aller manger avec mon cousin justement pour parler du refuge. J'espère que ça va bien se passer. Et on va aussi avoir au téléphone un vétérinaire de Marrakech avec qui on va essayer de négocier comme des sortes de contrats sur du long terme pour que ça nous revienne moins cher. Et tout ça, je vais tout vous expliquer, j'ai tout noté sur mon carnet. Là, j'attends juste la petite dame, on fait toujours ça, on a toujours cette routine. Elle veut que je sorte pour qu'elle ait tout le temps, toute la place de faire son ménage, etc. Du coup, je sors à chaque fois et je viens chauffer la voiture. Heureusement que c'est juste mon cousin. J'ai trop hâte, j'ai ramené mon carnet avec moi. J'ai ramené plein de fiches aussi, des trucs que j'ai écrits et tout. Que je vous montrerai. Si le projet voit le jour un jour, je vous montrerai bah, du coup toutes ces fiches-là. Et il verra le jour un jour, Charles. Bah, je vous montrerai toutes ces fiches-là, je vous montrerai plein de choses. On va suivre l'avancement de la ferme Bimo. Oui, je vais l'appeler comme ça. Ma mère, elle veut pas qu'on l'appelle comme ça. Elle a trouvé un autre nom en arabe. Mais moi, je voulais qu'on l'appelle la ferme Bimo. Mais elle veut pas. Donc, je crois qu'on va l'appeler, comme elle a dit, un nom arabe. Mais moi, je voulais vraiment qu'elle s'appelle la ferme Bimo. Bref, on verra. De toute façon, ça, c'est pas le plus important. Bref, les petites Soki, là, on va aller manger. Et j'ai tellement faim. Je me suis réveillée. Mais je sais pas ce que c'est en ce moment. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je sens que je vais reprendre mes kilos à grande patate. Je le sens, je sais. Moi, je connais mon corps, je connais mon appétit, je connais. Quand je suis comme ça, je sais ce qui va se passer. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura bientôt l'arrivée du ramadan. Et avant le ramadan, faudra que moi, je jeûne de toute façon 5 jours. Donc, je sais que je vais me calm down. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir et je pense qu'on va aller manger dans un buffet. Soit on va aller manger dans un buffet à volonté, soit on va aller manger. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de manger un truc en grande quantité. Et voilà les petites Soki, là j'attends ma mère et du coup je vous ramène avec moi pour cette dernière journée de weekly vlog. Ah oui, et les filles, hier soir, parce que là on est dimanche, hier soir on a fait un podcast Sarah et moi. Sauf que, en fait au moment de la rediffusion, j'ai vu des petites Soki qui m'ont écrit « Mais Soukaina, le podcast il est bizarre, on n'entend que toi, on n'entend pas Sarah. » Moi je l'avais laissé en rediffusion et du coup je le regarde et je vois qu'effectivement on n'entend que moi, on n'entend pas du tout Sarah. Il n'y a que ma voix tout le long du podcast, c'est pas possible. Du coup je l'ai enlevé, je l'ai mis en privé, je l'ai pas supprimé, je l'ai mis en privé. Attendez, c'est un peu la honte là. Je l'ai pas supprimé, je l'ai mis en privé. Voilà. Attendez. Du coup, qu'est-ce que je disais les filles? Oui, je disais que je l'avais mis en privé. Le temps de voir si le bug il va pas repartir. Regardez le shampoing clarifiant, à quel point il a fonctionné. Mais là, je pense que vous n'êtes pas prête. À quel point les shampoings clarifiants fonctionnent pour tout ce qui est retrait de coloration noire. Vous n'êtes pas prête là, vous allez voir, je vais me laver les cheveux, vous n'êtes pas prête. Mais forcément, on verra mes reflets verts vu qu'en bas, en dessous de la colo noire, j'ai des reflets verts. Mais c'est pas grave. Bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, du coup, je l'ai mis en privé juste le temps de voir si le problème va se régler ou non. Et ensuite, je le remettrai en public si le problème se règle. Mais dites-moi, les filles, si vous aimez bien les podcasts, j'ai l'impression en fait que ça perd les filles, qu'il y ait des petites Soki, celles qui n'aiment pas les podcasts, en fait, j'ai l'impression qu'elles pensent que dans les podcasts, elles ratent quelque chose. Alors que non, pas du tout. C'est juste un appel téléphonique entre copines le soir, on s'appelle comme ça, voilà, on discute entre nous. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se perdent et qui disent il y a trop de podcasts, j'arrive pas à suivre. À l'époque, on en faisait beaucoup. Donc dites-moi si vous aimez ou pas. Bref, c'est parti, les filles, je vous ramène avec moi.